Donc tu vois là, les moellons ils sont bien montés là. Hein? Le premier rang, pareil que le troisième rang. Et on commence toujours entier d'un côté et on finit avec une coupe. On ne met pas des coupes en plein milieu. Donc là on voit bien que là, c'est pareil. Premier rang, troisième rang. Hein, tu vois bien? Là pareil, le deuxième rang, il est pareil que le quatrième rang. Voilà. Les joints, ils sont alignés, toi, deuxième rang, ici. Là, c'est aligné. Voilà, il n'y a pas de problème. Le croisement est bien respecté. On a un bon croisement correct. Là, ici, tu vois, ce qu'il faut éviter, c'est les coupes en plein milieu. Parce que ça, à un moment donné, ça va donner des coups de sable. Hein? On évite au maximum les coupes en plein milieu. Toi, par exemple, là, c'est son troisième rang, toi. Et bien, à son premier rang, la coupe, elle était là. Sauf que là, il n'a pas réfléchi, il a mis la coupe ici, en plein milieu. Donc c'est à éviter. Voilà. On évite et toujours il faut faire des croisements. On évite de superposer les joints. Hein. On évite ça. Voilà. Le plus possible. Tu vois. On ne superpose pas un moellon entier avec un autre moellon entier. Sinon la maçonnerie elle sera pas solide. Donc ça c'est à éviter au maximum. Quand on fait ça, on fait une coupe. Voilà. Il faut commencer avec une coupe et on fait le croisement. Là, ici, en l'occurrence, il aurait fallu déplacer cet tableau ici, faire le départ là, et celui-ci, le pousser ici. Hein? Ok? Ça marche? Allez, ta coupe, il faut la mettre à droite. Ouais, c'est ici. Ouais. Voilà, tu décales. Voilà, totalement. Hein? Ok?